Mohamed Morsi tend la main à ses adversaires pour essayer d'apaiser les tensions. L'intervention du président égyptien a été très suivie hier soir sur la place Tahrir, comme le montrent ces images tournées par notre correspondant Caire. Le chef de l'État islamiste tente de reprendre la main à quelques jours de grandes manifestations de l'opposition annoncées pour dimanche, jour du premier anniversaire de sa prise de fonction. Il n'a rien fait pour les Égyptiens. L'Égypte a été détruite et brisée. Nous retournons en arrière et nous assistons à une scission du pays. Mohamed Morsi a proposé la formation d'une commission qui regrouperait l'ensemble de la classe politique et aurait pour mission d'amender la nouvelle constitution controversée. Insuffisant selon cet Égyptien. Ce discours était censé calmer les gens, pas les pousser les uns contre les autres. Les Égyptiens vont s'entretuer. Mohamed Morsi a reconnu avoir commis certaines erreurs, mais selon lui, les divisions menacent l'Égypte de paralysie et de chaos.